Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le grand format est consacré aujourd'hui au dernier volet de notre série d'émissions bilan 2013 de l'agriculture ivoirienne. Mais avant, voici l'actualité des filières d'AgriNews. Le personnel du ministère de l'Agriculture, les acteurs et les partenaires du secteur agricole ont organisé le 7 février 2014 à Abidjan Plateau une cérémonie de présentation de vœux au ministre de l'Agriculture. Cette cérémonie a l'occasion d'honorer 72 acteurs du secteur agricole à travers des décorations dans l'ordre du mérite agricole. Au cours de la cérémonie de présentation de vœux, Madame Mireille Mbaya, chef de cabinet du ministère de l'Agriculture, a, au nom de l'ensemble du personnel du Minagri, salué les actions du ministre et souhaité une fructueuse année au secteur agricole. Aussi a-t-elle invité le ministre de l'Agriculture à se pencher sur la situation administrative et sociale de certains agents. En réponse aux vœux, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafo à Koulibaly, a salué le travail réalisé par l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Il a par ailleurs relevé que les différentes distinctions et décorations dénotent de la gratitude des autorités ivoiriennes envers des personnalités qui ont contribué significativement aux performances de l'agriculture ivoirienne. Il a promis de continuer d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs du monde agricole. En outre, cette double cérémonie a donné l'occasion au ministre de l'Agriculture de dresser le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives pour l'année 2014. En 2012, nous avons élaboré avec le concours des partenaires techniques et financiers le programme national d'investissement. En 2013, nous avons pu commencer la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. À ce jour, sur 2040 milliards de francs CFA, 745 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés et les investissements ont été lancés, soit 37% de l'objectif. Dans cette part de financement, 511 milliards viennent de l'État et des partenaires techniques et financiers à travers des projets structurants, des investissements dans les infrastructures agricoles. Mesdames et messieurs, je suis honoré et fier de vous annoncer que ce résultat a permis d'accroître la production vivrière de 6% entre 2012 et 2013. Oui, pour une production de 12 millions de tonnes en 2012, nous avons en 2013 enregistré une production vivrière de 13 millions de tonnes. Une progression de 6%, ce qui est déjà logé aux meilleures performances internationales. Et donc pour 2014, nous allons mettre, en plus des investissements, nous allons mettre l'accent sur la coopération internationale. Non seulement entre institutions étatiques, mais aussi entre privés. C'est pour cela que nous serons bientôt à Paris au CIA, à l'invitation du ministre de l'Agriculture. Nous allons continuer les réformes, notamment la revue des services agricoles. Et je félicite au passage le CNRA qui est représenté ici par son président, l'ANADER par son président, le FIRCA par son président et le DG de l'INFPA. Tous ces services agricoles qui sont les piliers de la gouvernance agricole de notre pays, nous allons continuer de les appuyer pour qu'on puisse donner le meilleur service aux producteurs. Suite à la présentation des vœux, le ministre de l'Agriculture a procédé à la décoration des personnalités parmi lesquelles figurent des administrateurs et agents du FIRCA, de l'ANADER, de l'AIPH et du Minagri. Au total, 16 personnes ont été faites chevaliers, 33 officiers et 20 commandeurs du mérite agricole. On pourrait qualifier 2013 comme l'année FIRCA par excellence. Un 10e anniversaire célébré en fanfare, une participation au FARA et un partage d'expérience au Burkina Faso. En toile de fond de cette extraordinaire année du FIRCA, l'excellent bilan à mi-parcours du WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Démarré depuis 2011, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO OAP, a pour objectif majeur d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Son financement est assuré par la Banque mondiale.
À cet effet, depuis le démarrage du programme, la Banque mondiale effectue régulièrement des missions d'évaluation pour suivre l'état d'avancement du WAP 1.B et superviser la mise en œuvre du WAP 1.C. Dans le cadre de l'évaluation de ce programme, la Côte d'Ivoire a reçu la mission conjointe Côte d'Ivoire-Banque mondiale, à l'instar des autres pays de la sous-région impliqués dans la mise en œuvre du programme. L'appréciation des activités du WAP Côte d'Ivoire s'est faite au travers des ateliers couplés avec des visites de terrain auxquelles ont été associés les bénéficiaires des spéculations retenues et les acteurs clés du WAP. Le WAP Côte d'Ivoire a obtenu la note satisfaisante avec un taux de décaissement de 43%. Le pari a donc été pris par les participants de faire renaître l'agriculture dans sa diversité. Cet engagement s'est concrétisé par la visite des réalisations du WAP à Dabou, Agboville, Tiassalé, à Bengourou, Yamoussoukro et Boaké du 17 au 21 septembre 2013. Lors de cette visite, les producteurs individuels et les groupements de producteurs rencontrés ont partagé leur expérience sur les différentes spéculations retenues dans le WAP en expérimentation sur leurs parcelles. Les sites visités ont permis aux journalistes de découvrir de nouvelles variétés. Sous l'initiative du WAP et en collaboration avec les services vétérinaires, environ 15 millions de volailles traditionnelles ont été vaccinées sur la période de juin à septembre 2013 dans la zone nord de la Côte d'Ivoire. La campagne de vaccination a été saluée par les populations qui ont exprimé leur joie et leur satisfaction quant aux meilleurs résultats enregistrés au terme de la première campagne de vaccination qui s'est déroulée en 2012. Parmi ces résultats figure l'augmentation des effectifs, la réduction de la mortalité allant de 80 à 100% dans les zones vaccinées et l'embonpoint des sujets vaccinés. Depuis que le WAP a commencé la vaccination, il y a eu une bonne évolution. Avant, les poulets pondent 8 à 10 œufs. Aujourd'hui, avec la vaccination, les poulets pondent jusqu'à 20 œufs. La mortalité des poulets a considérablement diminué et les poulets vaccinés ont pris du poids. Avec la vaccination, je vais au marché avec 15 poulets par mois pour les vendre. Au titre des activités du Centre national de spécialisation CNS, sur la banane plantain, la coordination du CNS plantain et le FIRCA ont organisé du 25 au 26 juillet 2013 un atelier bilan des activités du CNS plantain et de préparation des programmes de recherche 2014-2015. Concernant le bilan des activités, des résultats qualificatifs et quantitatifs ont été obtenus. Il s'agit de la génération de deux techniques de production de matériel végétal sain de bananier plantain, des techniques de conservation et de transformation de la banane plantain en farine et en mets locaux divers, et de la création de plateformes de la filière plantain réunissant tous les acteurs. 10 journées agricoles ont été organisées en vue de l'évaluation des deux nouvelles variétés de banane plantain, le Pita 3 et le Fia 21, introduites en milieu paysan. L'évaluation des rendements des variétés améliorées par rapport à celui de la variété locale, témoin, par la pesée des régimes a donné un poids moyen de 13,5 kg au Fia 21, 7,5 kg au Pita 3 et 5,5 kg à la variété traditionnelle. Des tests de cuisson et de dégustation à partir de plusieurs mets, en l'occurrence le foutou, la bouillie, la loco, la banane braisée, la tiquée de banane, ont été réalisés. Nous, on ne connaissait pas l'existence de cette variété. Nous sommes allés voir le FIRCA. Le FIRCA nous a dit que bon, ils vont nous appeler, pendant un premier temps, ils vont nous affecter des maniocs, de la banane. Même on n'avait pas l'idée de ces bananes-là. La NADER nous a envoyé les plants en sachet. Nous avons fait la formation et on nous a vu comment il faut planter, comment il faut l'entretenir, comment il faut le faire. Et c'est ce que nous avons fait. Dans l'optique de relever le défi de la disponibilité de matériel végétal performant de banane plantain, le WAP a, au cours de deux sessions, formé 10 formateurs et 5 pépiniéristes à la méthode de plants issus de fragments, PIF. La méthode PIF est une technique éprouvée qui permet une production en masse des rejets en seulement 2 à 3 mois dans un milieu assaini. Le projet de promotion de mets à base de farine de banane plantain, initié par le WAP, a rencontré un franc succès lors des ateliers de cuisine. Ces ateliers ont enregistré la participation des consommatrices, des services traiteurs et des chefs cuisiniers en mer, des grands hôtels et des particuliers qui ont réalisé des prouesses en proposant une large gamme de plus de 10 mets locaux, foutou, foufou, purée,
ainsi que des pâtisseries, crumbles, tartes fourrées, galettes bretonnes, à partir de la farine de banane plantain. Dans le cadre de la coopération régionale, une trentaine de participants producteurs, chercheurs et vulgarisateurs, venus du Nigeria, du Ghana, du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, ont pris une part active au Monitoring Tour, consacré à la découverte des acquis générés par le CNS Plantain. Au cours de la visite des sites du CNS Plantain, situés au sud et au centre de la Côte d'Ivoire, les participants ont pu apprécier les activités en cours, les résultats et les impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière plantain. Par ailleurs, le WAP a exposé ses résultats au cours de la 6e semaine africaine des sciences agricoles et à l'Assemblée générale du Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA, à Accra, au Ghana, du 15 au 20 juillet 2013 et lors des festivités de commémoration des 10 ans du FIRCA à Abidjan, du 28 au 30 octobre 2013. Nous avons connu un succès, notamment grâce aux produits transformés à base de bananes plantain. Nous avons donc exposé des produits de la farine de banane plantain et nous avons constaté que c'est un produit qui n'est pas connu, donc qui a beaucoup suscité la curiosité des personnes qui sont passées sur notre stand. L'ensemble des activités menées sur les 6 spéculations retenues ont permis de toucher à ce jour 142 000 personnes. La prise en compte de l'aspect genre a permis de relever le niveau d'implication des femmes dans les activités du WAP à hauteur de 29%. Les défis qui attendent le FIRCA en 2014 sont nombreux. Car en plus de la Côte d'Ivoire, c'est désormais le continent tout entier qui veut bénéficier de son expertise. Retrouvez l'émission sur le site internet www.firca.ci. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.